Salut les amis, dans cette vidéo, on va regarder le portefeuille d'un abonné. Donc, je vais donner mon avis, je vais dire ce que je trouve bien et les points sur lesquels je pense qu'il faut faire attention. Et tout ce que je vais dire n'est ni à prendre comme des recommandations, ni comme des critiques, évidemment. Et c'est parti Donc, alors, je vous lis son email. Donc, il me dit ma situation je suis ingénieur informatique en CDI, 40 ans, marié, deux enfants. J'ai toujours investi principalement dans l'immobilier. Je possède trois appartements en location meublée qui tournent correctement car j'ai quasiment toujours un loyer qui rentre sur chacun. Par ailleurs, le rendement n'est pas énorme étant donné le niveau d'imposition qui est super lourd, supérieur à 60% facile. Donc, là déjà, en faisant immobilier plus bourse, tu combines les deux meilleurs actifs. Donc, je pense que tu fais bien. Ça m'étonne juste un peu les 60% d'impôts sur l'immobilier meublé. Puisque normalement, du coup, tu es en LMNP ou sûrement SCI. Et euh, il me semblait que c'était inférieur à ça. Mais il euh, y a peut-être un point que j'ignore. Donc, ensuite, du coup, je m'intéresse à la bourse depuis novembre 2023. Donc euh, là, ça fait 7 mois. J'ai un CTO, marché US, et un PEA, marché française. Donc, déjà, tu as commencé il y a seulement 7 mois. Et euh, tu n'es pas tombé dans le piège de faire que du PEA. Donc, euh, encore un bon point. Parce que malgré l'avantage fiscal que tu as grâce au PEA. La, le surplus de performance que tu peux avoir sur un compte titre en t'exposant à des actions internationales qui sont très souvent meilleures, surtout aux US, bah, enfin, au final, tu auras sûrement plus d'argent avec une performance supérieure sur le marché US, plutôt que sur ton PEA, même s'il y a un avantage fiscal à la fin. Et malheureusement, beaucoup de Français tombent là-dedans, mais toi, tu n'es pas tombé là-dedans, donc très bien. Alors je m'inspire du portefeuille de Terry Smith, un peu comme toi si j'ai bien compris. Mon objectif est d'obtenir une performance de 12-15% par an en ne faisant pas beaucoup bouger le portefeuille. Alors Terry Smith, je m'intéresse que depuis très peu de temps, bah, depuis la vidéo que j'avais fait sur lui, ça va faire euh, peut-être deux mois maintenant. Mais euh, en effet, maintenant ça fait partie des, euh, des investisseurs dont, euh, dont je m'inspire, parmi d'autres. Mais j'ai l'impression que de toute façon, au fur et à mesure qu'on apprend l'investissement, on finit quasiment toujours par tomber sur les mêmes conclusions. Et euh, la stratégie de Terry Smith, au final, c'est ce qu'on retrouve chez euh, quasiment tous ceux qui battent le marché. Et euh, dans à peu près tous les livres de bourse qu'on lit, on tombe sur les mêmes conclusions. Et pour la performance des 12 à 15% par an, ça me rappelle le livre de Peter Lynch, euh, One Up on Wall Street, où euh, il disait que selon lui, un particulier qui euh, fait les choses sérieusement, il peut espérer une performance entre 12 et 15% par an. Et euh, c'est ce, ce que je vise aussi. Enfin, le plus sera le mieux, mais euh, je pense que c'est un bon objectif. Et euh, du coup, encore un bon point, puisque cette fois-ci, tu t'es pas tombé dans le piège du PEA, tu as investi sur les meilleurs actifs, donc immobilier et actions. et tu t'as pas non plus cédé au euh, discours anti-ambition qui euh, incite à ne même pas essayer les stop-picking et à se contenter de faire uniquement des ETF, puisqu'il serait soi-disant impossible de battre le marché et que donc, euh, c'est même pas la peine d'essayer. Donc pour l'instant, tout va bien et euh, tu dis aussi en ne faisant pas beaucoup bouger le portefeuille. Euh, je pense aussi que c'est un bon point. Euh, il vaut mieux acheter des actions avec l'objectif de les garder euh, pour toujours. Évidemment des fois tu vas te rendre compte soit que tu t'es trompé soit qu'au bout d'un moment une boîte finit par euh, ne plus être de la même qualité que ce qu'elle a pu être auparavant. Dans ce cas là, il va falloir vendre mais euh, ouais l'idée c'est d'avoir un portefeuille qui bouge très peu au niveau de tes transactions. Donc, au niveau du portefeuille, j'avais au départ une stratégie basée sur les dividendes, d'où les lignes euh, Realty Income, Verizon et Altria, etc. Donc, actions avec une étoile. Et je bascule progressivement sur des actions de croissance. Là, je suis d'accord avec toi que si ton objectif en bourse, c'est juste de gagner le plus d'argent possible et euh, de faire croître donc, ton capital le plus possible, il ne faut pas se focaliser sur les dividendes, il ne faut pas y faire attention. Par contre, je ne suis pas fan de l'opposition actions à dividendes, actions de croissance. Enfin. Euh, Bon, je pense que tu le sais, mais là, voilà, t'as plein d'actions qui ont des bonnes croissances et qui versent des dividendes. Et quand on parle d'actions de croissance, souvent on sous-entend plutôt des euh, boîtes qui sont pas rentables et qui ont vraiment comme, euh, comme seul intérêt de croître, même si, euh, si c'est une croissance qui n'est pas rentable. Mais voilà, après en voyant ton portefeuille, on voit que t'es pas non plus tombé là-dedans, donc tout va bien. Euh, ensuite, donc tu me disais, la plus-value du compte titre, c'est 13%. Là, tous les achats ont moins de 6 mois et certaines lignes ont été achetées très récemment. Du coup, pour le 15% par an il est bien lancé. Et là je dirais de faire attention au du coup pour le 15% par an, il est bien lancé. Parce que donc oui sur la chaîne j'incite à essayer le stock picking et à être ambitieux et à se dire qu'on peut battre le marché si on fait le travail sérieusement. Mais 15% par an, c'est pas easy du tout. Il faut quand même être, être assez chaud. Et euh, voilà, ça se fait pas facilement. Et donc il faut en être conscient, et comme là tu n'investis que depuis 7 mois. Et que sur ces 7 mois, donc depuis novembre, le marché il est monté en ligne droite, partiellement grâce à des hausses de bénéfices, mais aussi beaucoup euh, grâce ou à cause d'une hausse des multiples de valorisation. Et ça, une hausse des multiples de valorisation, c'est euh, pas éternel. Il y a forcément un moment donné où euh, ça, va, ça va retomber. Donc voilà, moi j'encourage à essayer d'avoir des performances élevées, mais attention à ne pas faire d'excès de confiance. Et euh, il faut savoir que tu vas forcément connaître un bear market à un moment donné. Et que souvent, le premier bear market qu'on connaît, ça peut être assez violent euh, psychologiquement, mentalement. Et euh, il faudra voir comment se comporte le portefeuille dans ce genre de situation et comment il en ressort. Et c'est là qu'on pourra commencer à avoir une idée de la performance. Donc, ça, c'est dans ton premier email. Et ensuite, tu m'as envoyé ton portefeuille mis à jour. Donc, euh, du coup, ci-dessous, la version mise à jour avec quelques ventes, achats, pas mal d'actions à dividendes que je voulais remplacer sont sorties. Donc, celle dont il parlait au-dessus. Les achats renforcement de Apple, Fortinet et Microsoft. Nouvelle position sur Amazon et Salesforce. J'ai pas mal profité de baisses de prix pendant les publications de résultats avec Microsoft à 385 dollars et Amazon à 166 dollars. Google et Apple sont bien remontés. Dans l'ensemble, ça avance pas mal après la petite correction du mois dernier. J'estime la performance à 14%, sachant que ça a démarré il y a 7 mois. Et au niveau de tes positions, donc elles sont classées de la plus grosse à la plus petite. Donc, déjà, tu en as 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 dans le compte-titre. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 17 dans le compte titre et 15 dans le PEA. Alors, sachant que tu investis depuis 7 mois, ça m'étonnerait que tu aies vraiment eu le temps de faire des recherches sur les 32. Alors, déjà, 32 actions dans l'absolu, c'est beaucoup parce que c'est quasiment impossible à suivre pour un particulier. Et d'autant plus en 7 mois. Donc, là, je décèle peut-être un petit peu trop d'excitation. Donc, voilà, je pense qu'il faut faire attention à quand même connaître un minimum ce dans quoi on investit avant d'investir, lire quelques transcripts pour voir ce que le management dit et voir un petit peu les questions des analystes. Euh, ouais, parce que là, ça m'étonnait quand même que tu aies eu le temps de faire les recherches nécessaires. Et même à long terme, 32 actions, c'est assez dur à gérer. Et après, le défaut d'avoir autant d'actions, c'est qu'il y a de grandes chances que ça rapproche ta performance de celle de l'ETF. Mais en même temps, de l'autre côté, le point, entre guillemets, positif, c'est que ça réduit aussi tes chances de clairement sous-performer l'indice. En gros, ça va te faire plutôt coller à l'indice. Donc ça, c'est une question d'aversion au risque. Mais par contre, après, on voit que tu t'es dirigé vers que des bonnes entreprises. Tu n'es pas tombé dans des gros pièges. Après, il y a quelques noms là que je connais très peu, mais euh, voilà. Globalement, Google, c'est solide. Apple, Visa, Meta, Mastercard, Microsoft, United Health Group, Fortinet, Amazon, Marriott, Marriott. On en parle moins souvent. C'est une action qui est dans le portefeuille de Terry Smith et on peut regarder un petit peu les chiffres 12 secondes. Donc déjà Marriott, ce qui est intéressant, c'est que c'est une franchise. Et donc c'est un modèle qui est, euh, qui est avantageux. Puisque donc, si quelqu'un veut lancer un hôtel, il va devoir lui mettre le capital. Et ensuite il payera des frais à Marriott pour pouvoir utiliser la marque Marriott. Et donc eux, Marriott, bah, ils encaissent juste des frais. Ils n'ont pas de capital à mettre. C'est les, euh, les franchisés qui mettent le capital. Donc c'est pour ça que les modèles de, euh, de franchise, c'est des bons modèles. Et là, si on regarde les chiffres sur mes critères, les moyennes sur 5 ans sont assez mauvaises. Mais c'est à cause de la période Covid. Forcément, c'est des hôtels, ils l'ont pas mal subi. Et juste avant la vidéo, j'avais fait le calcul. Si on prend le ROCE pour 2023, il est entre 15 et 16%. Donc euh, voilà, c'est euh, rien à voir avec 9%. Et les, de, les niveaux de croissance sont pas mal. Voilà, on voit que si on exclut le petit creux ici, alors il faudrait voir à quoi est dû le creux en 2018-2019. Puisque là c'était pré-covid mais en tout cas ils sont très bien repris depuis et ils sont un maximum de free cash flow en 2023 et on voit que la tendance long terme est très bonne. Donc voilà Marriott, ça peut en effet être intéressant à investiguer pour ceux que pour ceux que ça intéresse. Ensuite, tu as Salesforce donc ça pareil, j'en ai jamais parlé sur la chaîne. Si on regarde rapidement, on voit que c'est pas mal en fait, il y a beaucoup de croissance. On voit quand même que pour avoir cette croissance, ils diluent leurs actionnaires. Et euh, le ROCE est assez faible, après les marges sont très bonnes, la croissance est très bonne et il n'y a pas de dette. Donc il y a des bons points. Je trouve quand même que la dilution est assez importante. Et surtout elle est, elle est continue. Donc euh, voilà, mais en tout cas, c'est pas... Pas catastrophique du tout. Euh, ensuite, ADP Automatic Data Processing, c'est bien aussi. SP Global, Realty j'avoue que j'ai jamais regardé. Lockheed Martin non plus. Johnson Johnson non plus. Et Monster Beverage. Donc c'est encore un très bon point pour quelqu'un qui a commencé il y a seulement 7 mois. Tu pas tombé dans des gros value traps. Tu pas tombé dans euh, des actions hype avec des énormes croissances, mais aussi des énormes valorisations et des énormes dilutions, etc. Donc ça, c'est un très bon point. Et après, j'ai un petit doute sur un point, et tu me diras en commentaire si j'ai raison. C'est que euh, vu que je vois que tu as acheté beaucoup, beaucoup d'actions en très peu de temps, et quand je vois aussi les prix d'achat, je me demande, est-ce que tu t'es pas dit, euh, il n'y a pas de bon moment pour acheter euh, des actions de qualité, ou ce genre de phrase et euh, Du coup, tu t'es dit, je les achète toutes, de toute façon, je ne peux pas me tromper. Et euh, est-ce que tu as fait le travail de valorisation Quand je vois là, je suis pas sûr. Il y en a sur lesquels euh, ça ne me, ça me choque pas. Mais euh, par exemple sur Apple à 180, je suis un petit peu dubitatif. Sur euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre Peut-être sur Microsoft aussi, au-dessus des 400$. Après, c'est mon avis. Hein. Je sais qu'il y en a qui ne seront pas d'accord dans les commentaires. Euh, qu'est-ce que je vois d'autre Ouais, principalement ça. Après, là, je connais moins. Donc peut-être que je me trompe et que tu as fait le travail de valorisation et que euh, toi, tu es convaincu que ces entreprises-là, à ces prix-là, elles sont correctement évaluées. Dans ce cas-là, pourquoi pas Mais si c'est pas le cas, je pense qu'il faut vraiment faire attention, surtout en ce moment, avec les phrases du type euh, il n'y a pas de moment pour acheter les bonnes entreprises où il n'y a que des bons moments plutôt, ou bien euh, la qualité, ça se paye, ce genre de phrase, parce que c'est vrai dans une certaine mesure, mais le problème c'est que quand tout le monde se dit ça, bah en général ça tourne mal, et surtout qu'en ce moment le marché est quand même très optimiste, et j'imagine que tu l'es aussi, puisque pour l'instant tu as tout qui monte tout droit, mais ce qui peut justement faire la différence entre quelqu'un qui achète que des actions de qualité, mais un peu n'importe quand, et quelqu'un qui va aller obtenir des, vraiment des grosses performances entre 12 et 15% par an, ça peut être par exemple celui qui fera l'effort supplémentaire de valorisation et de sélection pour acheter vraiment les meilleures opportunités au meilleur moment. Donc euh, voilà. Mais en tout cas, pour quelqu'un qui investit depuis seulement 7 mois, euh, je trouve que c'est un très bon portefeuille. Et as évité, euh, as évité les plus grosses erreurs de ce que je vois là. On va acheter un petit coup d'œil aussi à tes positions françaises. Donc je connais très peu les boîtes françaises, mais on va regarder quand même. Donc euh, ta première position c'est LVMH. Donc LVMH entreprise de très bonne qualité hein. 685 je pense que c'est pas mal donc euh, comme euh, prix de revient donc ok ensuite Air Liquide alors Air Liquide j'avais fait une vidéo dessus il y a un peu moins d'un an et euh, je m'en serais pas douté mais c'est très dangereux de faire des vidéos sur Air Liquide surtout quand on a des choses négatives à dire il y a deux sujets sur lesquels on court un grand risque euh, si on dit du négatif sur le YouTube finance français c'est les ETF et Air Liquide donc il faut faire très attention parce que j'avais eu des commentaires vraiment de, de fous furieux, euh, de gens complètement... Euh, qui, qui, qui perdaient totalement la raison, quoi. Totalement possédés par leurs émotions, euh, juste parce que je disais que j'étais pas fan d'Air Liquide. Donc voilà, faites très attention à vous. Euh, pour montrer un petit peu les chiffres, le problème d'Air Liquide, c'est que c'est une action qui est très très à la mode en France. Ils attirent pas mal avec l'action gratuite et tout, mais euh, d'un point de vue extérieur, si on regarde juste les chiffres... Donc oui, ok, c'est peut-être une boîte qui est solide... Et euh, voilà, qui a une croissance régulière, etc. Mais euh, c'est quand même écrit noir sur blanc dans leur rapport annuel que Air Liquide, c'est 6,5% par an de croissance annuelle du chiffre d'affaires et 6,8% par an de croissance annuelle du bénéfice par action. Donc, euh, bah, c'est compliqué de faire 13% par an de performance avec une entreprise. Qui fait croître son bénéfice de 6,8% et qui en plus te l'annonce dans le rapport dans annuel. Donc euh, voilà, c'est vrai que j'ai du mal à comprendre le fanatisme sur Air Liquide. Euh, enfin voilà, on voit que les métriques sont pas exceptionnelles. Et quand on a des périodes avec des performances plus importantes, mais qui sont dues à une expansion des multiples de valorisation, bah c'est pas éternel. Donc euh, voilà ce que j'en pense. Euh, donc voilà, t'as pris du Air Liquide. Euh, mais enfin, il y, y a carrément pire, hein, donc je ne dis pas que t'as fait n'importe quoi. Euh, mais voilà. Ensuite, euh, Stellantis. Euh, alors ça, je connais pas du tout. Stellantis, Michelin, Rubis, Axa. Euh, qu'est-ce qu'on va regarder un petit peu? Michelin. Tiens Dans mes critères de qualité, il y a du bon et du moins bon. Surtout le ROCE qui est faible. Si je regarde l'évolution du free cash flow par action, euh, c'est pas si mal. Et qu'est-ce qu'on peut regarder d'autre? Au hasard, on va regarder euh, Vika, par exemple. Vika. On voit que c'est des croissances qui sont assez faibles, un hein. ROCE qui est très 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 faible, pas mal de dettes. Et euh, nombre d'actions stable, ça c'est bon. Et marche très faible. Donc euh, voilà, je connais pas la boîte, donc je ne peux pas affirmer que ça fera un mauvais investissement. On voit qu'il y a quand même une petite croissance à long terme, légère croissance. Mais euh, en tout cas, par rapport à ce que je disais au début sur la différence PEA et CTO, là, je pense que ton compte titre, il va exploser, ton, ton PEA par exemple. Euh, D'où l'intérêt de ne pas faire que du PEA. Je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir de PEA. Il euh, y a des bonnes boîtes, par exemple LVMA, je pense que c'est très bien. Mais voilà, je pense que tu fais très bien de ne pas faire que ça. Et donc, pour conclure sur cette vidéo, les points positifs, ce que je viens de dire, donc le fait que tu ne fasses pas que du PEA, tu as aussi un CTO, le fait que tu ne sois pas résigné à des performances moyennes et que tu, tu te sois mis un objectif d'avoir des bonnes performances, le fait que tu te sois directement dirigé vers des entreprises solides, rentables, voilà, de qualité comme on dit, avec de la croissance, etc., etc. Et si je devais donner des points sur lesquels faire attention, et tu me diras en commentaire si je me trompe ou pas sur ma perception. Je dirais peut-être faire attention à pas s'exciter trop vite, pas faire d'excès de confiance, là ça fait que 7 mois, le marché est monté tout droit, c'est pas tout le temps comme ça. Et donc faire attention à faire déjà le travail de valorisation et peut-être pas trop se disperser, pourquoi pas réduire un petit peu les, le nombre de positions et mieux connaître les positions que tu as, et quelles sont tes grosses convictions, etc. Mais voilà. Sinon, c'est un très très bon début, je pense. Et donc maintenant en commentaire, dites-nous votre avis sur l'investisseur du jour, sur son profil, sur sa stratégie, sur ses choix d'action, etc. Qu'est-ce que vous en pensez en restant bien sûr respectueux. Et puis pour terminer, pour ceux que ça intéresse, je rappelle que vous pouvez essayer Gram gratuitement pendant 7 jours. Donc c'est le site que j'ai développé pour faire mes propres analyses d'action. Donc vous pouvez y voir les trois états financiers avec la voilà, vue graphique de tous les chiffres de chaque entreprise. Avec aussi... Un onglet transcript où on peut voir justement, comme je disais tout à l'heure, le CEO ici qui s'exprime pour bien comprendre la stratégie de la boîte. Et plus bas, on a les questions des analystes. Avec l'onglet qualité pour voir si une action semble être de qualité, donc avec sa croissance, l'endettement, la dilution des actionnaires, les marges, etc. Et puis un onglet valorisation du coup pour essayer d'avoir une approximation de son prix juste, etc., etc. Donc si vous voulez les l'essayer gratuitement pendant 7 jours, c'est le premier lien en description. Et euh, on se retrouve pour la prochaine vidéo. A plus